Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes marié, madame? Oui. Vous êtes marié, votre mari est où? Il est à côté de moi, il n'a pas le téléphone. Oui, passez-lui le téléphone. Allô? Bonjour. Oui, allô. Bonjour, ça va? Oui, ça va, mon frère. D'accord. Comment vous allez? Non, ça va, un peu bien. Et le travail? Non, c'est pas. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis cultivateur. Cultivateur? Oui. D'accord. Je voudrais prier avec vous, que le Seigneur vous bénisse, vous comprenez? Oui, monsieur. Déjà, je vous donne un conseil. Prenez bien soin de votre épouse. Parce que c'est une grande femme. Vous vous êtes rencontré dans des conditions un peu compliquées. C'était un peu difficile. Il y a eu un peu de remue-ménage. Jusqu'à présent, à l'heure où je parle, il y a des choses qui ne sont pas bien fixées en rapport avec votre mariage. Donc, Dieu est sur le point de vous visiter, mais il faut mettre les points sur les i dans votre foyer, ok? Oui, mettez les points sur les i. Et puis, en ce qui concerne vos activités, je voudrais prier que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous préserve, que Dieu puisse vous préserver. Parce que dans votre famille, Noras Naoudali Iflaï, Anorakbana Utol Flaze, Insera. Regardez, dans votre famille, je voudrais prier pour la destruction des fondations maléfiques. Amen. Oui, quand on parle de fondations maléfiques, ça veut dire que tout ce que vos parents, vos ancêtres ont eu à pratiquer, c'est-à-dire que comme activité traditionnelle, mais dans le côté négatif pour la famille, ou c'est pour avoir la force, la richesse, pour la chasse, etc., etc. Le Seigneur voudrait vous délivrer. Je veux prier pour cela aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, je voudrais que vous sachiez que il y a quelque chose que j'ai vu. Un hôtel qui crie dans votre maison. C'est-à-dire, quand je parle de maison, je parle de votre famille. Et sur cet hôtel, j'ai vu quelque chose écrit comme Gifo. Vous suivez? Oui, je vous suis attentivement là. J'ai vu quelque chose écrit comme Gifo. C'est Gifo. Gifo. Et quand j'ai demandé au Seigneur ce Gifo, ce nom signifie quoi? Le Seigneur m'a révélé que c'est le nom de quelqu'un qui a vécu, ça fait plusieurs années, mais qui est déjà mort. Et qui a été une grande source de malédiction pour votre famille. Vous me suivez? Oui, et qui a fait des pratiques dans votre famille qui n'étaient pas bonnes. C'était quelqu'un comme un notable, quelqu'un respecté. Hein? Quelqu'un de respecté, quelqu'un qui était comme parmi les notables dans la cour royale et qui était en rapport avec votre père. Donc, je voudrais prier pour la destruction de cet hôtel-ci. Vous comprenez? Allô? Oui, allô. Père, je prie au nom souverain de Jésus-Christ que ta main forte et puissante soit dans la vie de nos frères et sœurs, que ta grâce soit dans leur vie, que cet hôtel soit détruit au nom souverain de Jésus de Nazareth. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, écoutez, s'il vous plaît, attendez. Vous allez demander dans votre famille, vous comprenez? Il y a un jeune homme qui est mort, qu'on appelait Daniel, dans votre famille. Daniel. Hein? Oui, il y a un jeune homme qui est mort, qu'on appelait Daniel. Et ce Daniel-ci a été rattrapé par l'hôtel dont je suis en train de vous parler. C'est un jeune homme qui aurait été quelqu'un de grand dans votre famille, mais que le diable a fauché par cet hôtel maléfique. Et à cause de cet hôtel, chaque fois que quelqu'un dans votre famille veut s'élever, il est détruit. La mort le prend. C'est-à-dire que les morts bizarres, les morts précoces, etc. Seigneur, merci pour cette restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok.